On est avec Antoine là sur le projet de record du monde à la voile. Salut à tous. Et puis ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait on est en train de travailler sur le passé pour construire l'avenir. Voilà. Et ça veut dire qu'on est en train de fouiller dans les archives et tout le matos que tu as gardé, heureusement ouais. d'ailleurs, pour aller travailler sur ce qui s'est passé avant. Donc en particulier cette voile là. Bah ouais, là, c'est la voile du record, du dernier record. Ouais. 53 nœuds 27. Ouais. Mais 98 et quelques kilomètres heure. Ouais, 65. Mmh. Et donc, bah, c'est une voile qui est super importante parce que ça va être notre point de référence. Mmh. On a déjà pas mal bossé avec Robert sur une nouvelle voile que j'ai testée à l'E4 en juillet dernier. Mmh. Et puis, ça a bien fonctionné parce que j'ai établi deux nouveaux records. Le 1000 nautique ouais. en foil et le 1000 nautique en classique avec un aileron. Qui était quand même assez élevé. Mmh. Et ça a été pas facile. Combien 43 nœuds 0,4. Sur donc 1850 mètres. Ouais. Donc c'est la vitesse moyenne sur 1850 mètres. Presque 2 km. Donc c'est on peut le comparer plus ou moins aux 5000 mètres en athlétisme. Mm-hmm. Parce que c'est vrai, c'est presque une course d'endurance. Quoi. Mm-hmm. C'est super long par rapport aux 500 mètres qui pourrait être le 100 mètres du sprint. Mm-hmm. Justement sur les 2 km c'est au niveau cardio et qu'est-ce bah, que tu non, cardio ça va, c'est surtout les jambes ouais. parce que t'as la jambe arrière qui au bout d'un moment elle fume complètement ouais. quoi, c'est, t'en peux plus, tu cherches, tu te dis je l'ai passé l'arrivée ou pas tu vois, c'est ça, donc t'essayes de regarder mais en même temps c'est très dur d'avoir une plage très droite, ouais. il y a quand même beaucoup d'obstacles. Il y a des courbes sur la plage, il y a des bancs de sable, donc t'es pas linéaire. Non, c'est pas linéaire ouais. comme peut être un 500 mètres en Namibie. Donc c'est ça qui est surtout la difficulté et c'est pour ça qu'on est on est si loin par rapport au record sur 500 mètres. Il y a 10 nœuds d'écart. Bah ouais, il y a quasiment 10 nœuds d'écart. Mmh. Bon après ça se fait en mer aussi, donc c'est normal qu'en mer on aille quand même moins vite, mais en mer il est possible sur un 500 mètres avec vraiment des bonnes conditions sur la palme là-bas, sur la base de la palme, de taper des 47-50 nœuds en top speed. Donc il y a moyen d'aller vite sur 500 mètres aussi. Donc là ce qu'on est en train de faire c'est vraiment travailler sur les outils qu'a utilisé Antoine donc en 2015 sur ce record absolu sur 500 mètres. Et donc on va, tu l'as la voile là, tu la prends. En fait on va partir de ce matériel là, on va... comme on l'a fait d'ailleurs sur le record du monde avec Eric Baron, on a travaillé sur un engin qui avait 15 ans en fait, parce qu'aujourd'hui on va pouvoir le calculer, faire des simulations sur ce matériel après coup pour que ce soit notre référence. Donc ce matériel-là, en fait, on va le gréer, on va le scanner en 3 dimensions, on va pouvoir calculer à la fois toi Antoine, la voile, les flotteurs. Et donc pour ça, il faut recoller les morceaux et récupérer la bonne voile, le bon mât, le bon... Mais bon, c'était il y a 5 ans, donc... Ouais, mais ça, c'est une voile que tu grées et que tu remets à l'eau sur un run, et puis elle va super bien marcher encore. Ouais. Donc ça va justement, je pense, nous faire vraiment avancer dans l'évolution et de comprendre surtout, d'éliminer toutes les traînées, parce qu'on a énormément de traînées quand même. Donc tout ce scan en 3D, c'est une première mondiale, ça n'a jamais été fait dans le windsurf. Mm. Donc ça, attends, on va faire ça dans les 3 prochains jours là. On va faire ça, donc on va s'amuser à scanner Antoine en 3 dimensions. Ça va être scanner le voile en 3 dimensions, ça va être chaud patate. Mais bon, on va s'amuser, je crois. Ouais, non, ça va être bien. Okay. Voilà quoi. Donc c'est parti. Voilà la bête. Et si on cherche bien dans le garage, on va trouver aussi la voile de 2012 du record. La première fois où j'avais été en Namibie avec 52 nœuds, je crois, j'avais fait. Donc elle est là encore. Elle a jamais été vendue, jamais donnée. Je la garde. On va chercher le trésor. Allez, ciao. Merci. Allez. À plus, Antoine. Ciao.